Hey, salut les gens, c'est Julien et Yves pour C'est bien d'être bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un programme d'entraînement spécial course à obstacles destiné principalement aux personnes qui souhaitent goûter au plaisir de se trouver dans la boue mais qui ont peur de ne pas arriver au bout du parcours. On vous a concocté un programme de 3 séances par semaine sur 3 semaines dont nous publierons les vidéos tous les dimanches soirs à 19h pour que vous puissiez en prendre connaissance avant le début de la semaine. Avant de commencer, quelques petites consignes valables pour tous vos entraînements. Pensez à bien vous échauffer avant de commencer. Et surtout, hydratez-vous avant, pendant et après les exercices. Pour certains des exercices, nous vous proposons des versions alternatives, plus simples si jamais vous n'arrivez pas à faire les exercices de base qu'on vous propose. Afin de ne pas vous blesser, si jamais vous avez un doute sur l'exécution d'un exercice, renseignez-vous sur le net, vous trouverez toutes vos réponses. Prenez au minimum un jour de repos entre chaque séance. Voilà, vous êtes prêts? Ok, c'est parti, on attaque la première séance de la semaine. Dans course à obstacles, il y a course. En général, les parcours font de 10 à 15 km. Donc pour cette première séance, je vous propose de sortir faire un footing de 20 à 40 minutes. Si vous ne pouvez pas tenir 20 minutes, vous pouvez diviser votre temps de course en sections de 5 minutes en alternant avec des temps de marche entre chaque partie. Vous pouvez bien sûr aller au-delà des 40 minutes si vous êtes déjà à l'aise avec la course à pied. Et n'hésitez pas à faire quelques étirements en fin de séance. On passe maintenant à la deuxième séance de la semaine et là, ça rigole plus. C'est parti pour un entraînement mêlant cardio et renforcement musculaire avec un échelonnement d'exercice à haute intensité durant 13 minutes 30, alternant temps de repos et temps de travail. Durant les temps de travail, vous devrez faire le plus de répétitions possible pour chacun des exercices. On voit ça tout de suite en vidéo, vous retrouverez la liste des exercices dans la description ci-dessous. La semaine, vous allez commencer votre dernière séance par un footing de 20 minutes ou plus pour ceux qui le désirent, puis suivre l'entraînement de musculation qui va suivre, dont vous retrouverez la liste d'exercices dans la description sous la vidéo. Si vous avez du mal à finir vos séries, vous pouvez allonger les temps de repos. Voilà, on vous a donné votre entraînement pour cette semaine. Un dernier petit conseil pour garder votre motivation, pensez à vous entraîner à plusieurs, par exemple avec vos futurs coéquipiers. On vous retrouve dimanche prochain pour le programme de votre deuxième semaine d'entraînement. D'ici là, pensez à mettre un gros pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, vous pouvez nous laisser vos impressions ou vos questions en commentaire sous la vidéo ou sur notre page Facebook. Bon courage et n'abandonnez jamais!